président, premier ministre, ministre intérieur et des collectivités territoriales, ces trois chapeaux ça yo Ariel Henry gagné dans pays d'Haïti. Les mêmes qui t'ai fait un gros voyage dans le continent européen, l'Italie dans pays la France, côté il était chita parler avec en pile gros autobré dans monde là d'après ça le fait connait, il était parlé avec président brésilien Lula, président français et Macron. Eh bien Ariel Henry qui t'a bail bilan voyage li, il était très souriant, il était très positif, il dit il portait en pile bon bagaille pour pays d'Haïti. Invitez nous côté Ariel Henry, lui-même qui t'a bail un print presse dans aéroport international à Toussaint l'ouverture hier dimanche là pendant que lui-même il était sorti dans pays la France. En attendant qui ça Ariel Henry gagne dans jacout li pour peuple haïtien. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs du haut commandement des forces armées d'Haïti et du haut de la police nationale d'Haïti, chers confrères de la presse, merci que nous répondons à l'invitation au bureau communication primature dans quatre points de presse pour premier ministre Dr Ariel Henry qui souhaite participer dans le sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Donc c'est un plaisir pour nous accueillir nous dans le salon diplomatique là et nous souhaiter nous bon point de presse. Merci. Mesdames, Messieurs de la presse, nous remercions nous parce que nous patientons. Pour nous parler et que nous venons là en dimanche pour point de presse. On va nous attendre un tout petit peu parce que premier résultat du voyage, je me suis communiqué avec Minicio, et vous êtes ça nous dépend un petit temps pour nous parler avec. Il y a des gens qui m'ont dit ça nous t'a cherché dans ce sommet ça. Ou bien qui ça nous coûte. Il y a une raison qui fait un pays, tant que Haïti, doit participer en qualité de gros, dans le cadre de gros rencontres. Il y a un pile sujet qui a fait et sur eux, nous devons gagner un disons. Et ça qui a discuté, il y a un impact et conséquences pour tout le pays. Et pour compatriotes, nous. Il faut que le sujet soit discuté dans le pays nous en tout, malgré les difficultés que nous avons. Parce qu'il y a trois problèmes spécifiques qui ont un impact sur le devenir nous tous dans la réunion. Qualité sommet, c'est une occasion pour les dirigeants haïtiens profiter dans le même voyage, d'un seul côté, rencontrer avec un pile l'autre pays que nous n'avons pas besoin ni temps ni l'argent pour nous visiter. Pour nous parler avec le président, avec le premier ministre. C'est l'occasion tout pour nous faire connaissance avec les gens des pays, nous ne pas parler de eux, boycott. Et constater au contre, par contre nous constater que compte très bien ça qui a passé en Haïti et montrer que vous très intéressé à ça qui a passé ici même et vous souhaitez que nous sortions dans mal cité ça. Mais qu'a dit nous voyez ça c'est important en pile parce qu'il permet nous gagner une série de rencontres bilatérales extrêmement intéressant. Je ne vais pas avoir trop de détails aujourd'hui, surtout la conversation que j'ai gagnée, parce que j'ai un sujet pour nous travailler plus sur eux pour nous joindre plus bon résultat. J'ai plusieurs signaux qui montrent nous que tous les amis pays d'Haïti comprennent le problème. Depuis nous sommes en Jamaïque,
nous remarquons bon signal qui sorti dans l'UEA. Mais, moi qui dis tout, nous avons l'autre en pile signe qui montrait soutien robuste pour force de sécurité noire pas trop loin. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touchent des millions de nos compatriotes. Le président Lula a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès de tous les pays qu'il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte. Ce sommet a été aussi l'occasion de resserrer les liens avec nos frères d'Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Au cours de la bilatérale avec le président du Kenya, William Ruto, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un homme direct et déterminé qui avait bien préparé notre rencontre et qui savait parfaitement en quoi son pays pouvait nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité et du renforcement de nos forces de sécurité. Il en est de même de son ministre des Affaires étrangères. Les premiers ministres du Rwanda et du Burundi ont manifesté leur intérêt et leur désir de nous accompagner. Le président Emmanuel Macron a rappelé l'engagement de la France aux côtés d'Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d'autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Nous avons profité de notre passage à Paris pour rendre visite à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. C'est une très grande amie d'Haïti, avec qui j'avais eu de nombreuses conversations téléphoniques. Elle s'intéresse à notre pays depuis qu'elle a été ministre du Rwanda, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle souhaite un véritable rapprochement d'Haïti avec son pays et le Rwanda. Elle a été notre avocate auprès des pays africains. Et certains chefs d'État et de gouvernement m'ont parlé d'elle comme une ambassadrice d'Haïti. J'ai fait plusieurs autres rencontres intéressantes. Mais pour qu'on ait plus de détails. Mais j'ai espéré Mapkadino très bientôt plus. Par ailleurs, il m'a été demandé d'intervenir au nom des pays du V20, qui sont les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, pour clôturer un panel sur les impacts des modifications climatiques sur la santé.
Le ministre de l'Économie et des Finances, de son côté, a participé à un panel sur les mécanismes de financement innovants en faveur des pays les plus vulnérables et il a fait un exposé sur la question. Moi, qu'on est, les amis de la presse, nous te suivre tout ça qui a passé dans la coupe à vie. Moi, comptez sur nous pour partager avec tous les compatriotes, nous, toute information sur le débat qui est fait à Paris. Il a pris trop de temps pour me rentrer dans tout détail sur tout sujet qui est parlé. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toutes nos énergies et ne nous laissent peu ou pas de temps